Bonjour, 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 bonjour. Ah, le vin n'est pas bon. Le vin n'est pas bon. Bonjour, mes gens. Bonjour, mes gens. Comme dit Pasteur et Docas. Bonjour, mes gens. Bonjour, mes gens. On fait un live même de. Il était le 7h38. On fait un live jusqu'à 9h. J'espère que vous allez bien. Comme ça que moi, j'ai pas besoin d'une norme pour parler, non. Quand elle lance pour ma caméra, ça coûte mon temps et plus. Dimanche. Bon dimanche à tous. À tous ceux qui sont là d'ailleurs. Bon dimanche à tous. Moi, c'est un athée, hein. Je suis un athée. Pour vous dire, je ne crois pas à la Bible. Parce que il sait que les Camerounais avaient les églises réveillées. C'est quelque chose de, c'est quelque chose de ouf. Les témoins de Jéhovah, les églises réveillées, en fait, sont des gens que moi, je n'ai jamais appréciés. Je me rappelle quand j'étais encore au cours, tous les dimanches, comme ça, là, quand ma grande soeur demandait qu'on aille à l'église, parce que ma grande soeur, c'est une témoin de Jéhovah. Je vivais chez elle. Tu sais, quand tu vis chez un témoin de Jéhovah, tu vas faire ce qu'il demande. J'étais le seul rebelle, je ne partais jamais. J'avais décidé jamais. Je n'ai jamais parti. J'étais le seul rebelle, en fait. De la maison. Parce que même déjà à l'église, je ne partais pas à l'église. L'église, même tout simplement, même pas les témoins de Jéhovah, je ne partais pas. Les trucs qu'on dit, les crânes là, on fait trucs. Les trucs que les mamans font là, moi je ne faisais pas ça. Je ne fais pas ça. J'ai horreur qu'on me coupe le corps, tout ça, là, on dit les marabouts, là. Je ne connais pas les marabouts. Je ne connais pas moi les marabouts. Je ne connais pas moi les marabouts. Donc, quand ma mère veut organiser ce truc-là, je lui dis toujours, maman, pardon, ne mets pas dedans. Ne mets pas dans ça. C'est vrai que je suis africain. Nous sommes les Bantous, mais sachez que ce n'est pas tous les Bantous qui adorent les crânes. Ça ne veut pas dire que je réfugie ça. Hein. Je suis content pour ceux qui aiment ça. Moi, par contre, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas me faire couper. Je n'aime pas y aller. Les lieux de sacrifice, je n'aime pas. Les trucs qu'on dit qu'on tue la poule en route et puis on veut le manger là. Je ne mange pas ça. J'ai mangé ça une fois. Mais depuis, j'ai vu comment on fait le rituel, elle dit, ah, je vois tout ça, c'est les conneries. J'ai décidé de ne plus jamais, jamais le faire. Parce que je ne vois pas à quoi ça sert, en fait. Je ne vois pas en quoi ça sert. Je ne vois pas en quoi ça sert. Je respecte tout de même ceux qui le font. Ouais, je respecte ça. Mais moi, j'ai horreur qu'on dise que non. Non, mais tu vous dis les sorciers, là. Pour moi, les sorciers n'existent pas. Le sorcier, le sorcier vit avec toi, chez toi. C'est un être humain comme toi. Il suffit de regarder de plus près de soi qui est ton sorcier. Vous pensez que ce qui arrive aux gens tous les jours là, c'est parce que ces gens-là ont un sorcier dans l'imaginaire. Non, non. Jamais moi. Bon, ça c'est mon avis à moi, hein, parce que c'est que quand ils disent ça, plus de personnes vont se sentir concernées. Ils vont dire non. Moi, j'étais malade, et à un moment donné, j'étais malade. Il a fallu que ma mère parte chez un marabout pour qu'on essaie de voir. Là où j'ai guéri, non, arrêtez ça. Arrêtez. Si tu as guéri, c'est parce que tu devais guérir. Arrêtez. C'est parce que la plupart des Africains
quand il est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, il prie Dieu. La maladie s'accroît. La maladie ne fait qu'augmenter. Il ne fait que prier Dieu. Tu pries Dieu que c'est Dieu qui va sauver. C'est pas Dieu qui va sauver ta maladie. C'est pas Dieu qui va sauver ta maladie. Bon, comme les chrétiens le disent, Dieu t'a donné le souffle de vie. C'est à toi maintenant c'est à toi maintenant de prendre soin de ton souffle de vie. Pour aller composer, pour aller faire les, pour aller composer le bac. On bénit le but. On fait la prière sur le but. Mais je me pose la question, vous faites ça comment? Fais la même prière et puis tu arrives, tu n'écris rien. Tu vas voir si tu vas passer ou pas. Donc, moi, je respecte tout de même ceux-là qui y croient, mais moi, ça n'entre pas trop dans ma tête, en fait. Les crânes, les sacrifices, tout ça, là. Les trucs qu'on coupe les gens, le corps, non. C'est les trucs que moi, je déteste, d'ailleurs. Je n'aime pas trop ça. Mais pour vous dire, vrai, je n'ai jamais. Les trucs qu'on dit, les couches de nuit, là. Mais j'aimerais savoir si ça existait vraiment. Les trucs qu'on dit, les couches de nuit, tu dors, tu te lèves le matin, tu vois ton devant est mouillé. Même si mon devant est mouillé, c'est que j'ai fantasmé. J'ai dû voir un film au préalable. J'ai dû voir un film au préalable qui n'était pas. Comment dirais-je? J'ai dû voir un film, oui, qui était un peu un film d'amour. Et puis j'ai dormi, voilà quoi. Et puis j'ai dormi, j'ai fantasmé. Et puis le matin, je me lève le matin, j'ai éjaculé. C'est ça. Quand les gens font ça, ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait durant toute la journée. Mais pour eux, c'est que non, le sorcier, j'ai une grand-mère dans mon quartier qui veut pas de mon bien. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. 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 C'est nous-mêmes, ton propre sorcier auprès de toi. Ça peut être ta femme, ça peut être même tes soeurs, ça peut être même ton enfant. Tu sais pas. Oui, ça peut être ton enfant. Bah, tu peux avoir les grands enfants que parmi tes enfants, il y a une personne qui ne veut pas ton bien. Et tout ce qu'il veut, c'est simplement te voir à terre. Parce qu'il faut l'avouer. Nos enfants, généralement, quand ils te demandent un truc, tu ne donnes pas. Tout ce qu'il veut, il dit, mais c'est quel papa que je lui demande que tu ne donnes pas. Il est fâché contre toi, au point où il peut te m'ôter la vie. Mais c'est quand il s'assoit et regarde que tu es vraiment son papa. Donc, au fur et à mesure qu'il grandit, il comprend beaucoup de choses. Il y a des enfants comme ça. L'esprit là vient en eux. Mais après, ça part. Oui. Parce que moi, avec mon père, j'ai eu ce problème. À chaque fois quand mon père parlait mal à ma mère, j'avais toujours dit, mais le père, il fait un quoi comme ça là? Tu peux le casser le pied. Hein. Et si j'avais quelque chose à ce moment, je veux casser le pied. Mais quand tu grandis, tu réalises que non, c'est toi-même qui étais le propre sorcier de tes parents, de ton père. Tu peux ôter la vie à ton père comme ça là, sans tout ça savoir. Pourquoi? Parce que les nerfs, la colère te fait, la colère te fait dire du n'importe quoi, penser du n'importe quoi. C'est toi ton propre sorcier, c'est personne te hante. Après, on va dire, nous, c'est le sorcier qui hante l'enfant. Non, jamais arrêter ça. Les crânes, je respecte ceux qui respectent les crânes. L'église, je respecte ceux qui partent à l'église. Mais n'abusez pas, quand même. N'abusons pas de l'église. L'église, c'est un choix, d'ailleurs, d'aller à l'église. Mais, ne pensez pas que vous, si vous partez à l'église, vous allez tirer les gens d'y aller. Non. Ne serons jamais tous pareils. Ouais, parce que tant chez ma grande se me dit, non, ce sont les enfants sorciers qui ne partent pas à l'église. Non, l'église est bien. L'église est bien, ça, je l'avoue. Hein. Je l'avoue, l'église, c'est une bonne chose. Parfois, c'est juste pour permettre aux gens qui sont peut-être tristes ou bien stressés ou bien dépressifs d'aller à l'église. À l'église, en chantant, elle trouve un peu. Cette personne devient gaie. Donc, ça change un peu, ça change un peu son humeur, en fait. Donc voilà, je respecte tout de même ceux qui partent à l'église en fait. Voilà. Voilà, ce matin, je voulais un peu parler de Madokas. Je voulais un peu parler d'elle. Est-ce qu'elle a vraiment appris? Est-ce qu'elle a appris? Est-ce qu'elle a vraiment appris de ses erreurs? Parce que là, là, le dit, c'est aussi toucher un point très sensible. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup se sont passés avec Madokas. Bon, vous avez un peu le cas de Madokas, son entourage. Elle n'aurait jamais cru que son sorcier était à côté, qui était son général. Tellement son général faisait les éloges, elle aussi. Bonjour, Kali. Bonjour. Partagez s'il vous plaît. Tellement son sorcier
Elle n'avait jamais cru. Tu vois, c'est ton sorcier qui te nourrit. Hein. Son sorcier lui donnait de l'argent, lui faisait des éloges, mais elle ne pouvait pas penser un instant que son sorcier était auprès d'elle. Tu vois? Dès le début, tu penses que non, la vie est rose. Mais c'est au fur et à mesure que le temps passe, tu comprends, tu réalises beaucoup de choses. Voilà qu'aujourd'hui, les deux sont séparés. On dirait qu'ils n'ont jamais été ensemble. C'est ça. C'est donc ce qu'on dit. Arrêtez de croire que le sorcier est dans l'imaginaire. Non, le sorcier est auprès de toi. Mais suffisamment, tu ouvres bien les yeux, tu sauras qui il est. Ouais. Tu sauras qui il est. C'est pas toujours important de vouloir toujours voir les sorciers partout. Et ce que les gens disent, c'est quand même, c'est une réalité. On dit quand un pauvre a 100 000 dans ses poches, tout le monde qui passe, tous ceux qui passent sont suspects. Donc même si tu passes à côté de lui, tu es seulement suspect. Tu vois? Tous ceux qui passent sont suspects. Et c'est vrai. D'arrêter de voir les sorciers partout. Ton sorcier auprès de toi. Il suffit d'ouvrir tout simplement les yeux. Tu sauras qui il est. Voilà pour moi, Dorcas. Elle a pris quelqu'un. Elle a pris une femme qui savait que non, celle-ci au moins, mine de rien. C'est une femme peut-être, elle est aux États-Unis, elle travaille. Moi aussi, je suis aux États-Unis. J'ai été aux États-Unis. Je travaille. Je connais comment les femmes et les hommes des États-Unis travaillent d'ailleurs. Donc, on l'a flattée avec les petites miettes. On flattait avec beaucoup de, avec les miettes. Elle s'est dit non, au moins, moi, j'ai rencontré une bonne personne sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Si on lui disait un instant, même si le pasteur le plus puissant, ou bien le marabout le plus puissant avait prédit que non, la mère, ton sorcier auprès de toi n'est pas accepté. Elle n'avait jamais pensé. Au départ, quand elle faisait les éloges de celle-là, elle n'avait jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, là, mais, si on te dit que les deux ont été ensemble un jour, tu n'accepteras jamais. Tu vois. Donc moi, j'ai trop du mal à voir les gens dire non. Ton sorcier auprès de toi, ne regarde pas ton sorcier très loin. Il est tout juste auprès de toi. C'est à toi d'avoir l'esprit du discernement et comprendre qui il est. Et de voir qui il est. Oui. C'est pour ça, ce matin, j'ai dit, est-ce qu'elle a pris donc la leçon? Dorcas, elle a appris la leçon. Si elle a vraiment appris cette leçon, on saura si elle a vraiment appris. Parce que ça ne sert à rien de se cacher derrière les macabos, les magnans, pour chercher. Oui, c'est ça. Non, les deux, je ne dirais pas non, Kali. Les deux ont fait du sale, mais celle qui a pris conscience, c'est Dorcas quand même. On va beau dire, mais c'est celle qui a pris conscience sur les deux. Je n'ai même pas parlé de celle-là, je vais parler d'elle par ricochet, mais pas tout en évitant de prononcer son nom, tu vois. Je vais seulement essayer de voir si Dorcas, en question, elle a appris de ses leçons, en fait. Si elle a appris de ses leçons, c'est bien, mais si elle n'a pas appris, ça serait déplorable. Parce que le but d'une n'est pas de quitter d'une situation et que tu n'as rien appris. Hein. Parce que même le boulot qu'on fait là, les gens qui viennent commenter, sachez-vous que, est-ce que vous savez que tous les commentaires, là, quand il y a des commentaires que j'ai lu, je mets ça en pratique dans la vraie vie. Quand tu me dis, fais plutôt comme ça là, mais ça me permet un peu d'évoluer. Tu vois? On apprend tous les jours. Mais je me pose la question, si elle a-t-elle appris de ses erreurs, ou bien elle est tout simplement là pour vendre sa marchandise. Voilà. Non, il faut qu'on débatte là-dessus ce matin. Ce matin, on va débattre là-dessus. Parce que moi, je ne suis jamais dit que moi, je ne fais pas, je ne dois pas, je ne sois pas, je n'appelle pas le nom de quelqu'un au hasard comme ça. C'est parce que j'observe aussi, il y a des gens que j'observe. Et quand je t'observe, je me pose la question à savoir si réellement ce que tu faisais hier, tu as vraiment appris tes erreurs. Hein? Parce que Bertrand, il y a deux, il y a, ils sont, ces deux personnages, ils sont pas, ils sont, je dirais qu'ils sont deux, Bertrand et Madocas. Mais on commence d'abord par Madocas. Pour Bertrand, ça sera la fin. Est-ce que Dorcas a appris de ses erreurs? Parce que moi, j'ai réalisé qu'elle se cache derrière l'association de Asda. Pour se faire un nom et pour faire son commerce. Tu vois, ça c'est mon avis à moi. Ça, à la base, mon avis à moi. Je me dis, mais est-ce que cette femme, elle a appris vraiment de ses erreurs? A-t-elle appris de ses erreurs? Si elle a appris, c'est bien, mais si elle n'a pas appris, si elle est là tout simplement pour manipuler les gens et puis vendre sa marchandise et puis retomber encore dans ça, franchement, ça serait déplorable. Parce qu'on connaît comment ça se finit. C'est là fini. Parce que dans ce qu'elle va faire aujourd'hui, elle avait prononcé le nom de Asda. Si ça ne concerne pas les dons, qu'elle ne prononce pas le nom de Asda. Voilà. Mon problème est que moi, si ça dépendait de moi, même si elle lance un live, elle veut s'amuser, elle veut parler des dons de Asta, elle parle des dons de Asta.
Elle ne parle plus d'autre chose que ça, tu vois. Elle évite un peu de trop prononcer dans ces choses. Pourquoi ça évite les polémiques? Parce que c'est ce que les adversaires, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Pour dire non, elle a encore prononcé mon nom, elle a encore prononcé le nom de tel. Oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'ils attendent. A-t-elle appris de ses erreurs ou bien elle masque juste son jeu pour se faire du pognon? Ça, c'est ma question de ce matin. Donc, il faut vraiment qu'on se pose des questions. Oui, j'ai dit, j'ai le constat que j'ai fait. Je le constate depuis au moins 5 jours. J'essaie un peu d'étudier ça. J'essaie un peu d'étudier Madokas. Sur tout ses sorties. Tu vois, elle est allée chez la reine Galois. Elle a toujours voulu prononcer le nom des détracteurs, des gens qui sont en train de délicats à pour moi. Mais elle a voulu faire ça. Moi, ça m'a pas plu. Hein. Moi, je dis non, mais peu importe ce que tu as contre les gens. Quand tu arrives dans une association comme celui de la reine Galloise, il y a les noms que tu dois prononcer. Tu peux prononcer le nom de. Tu peux même encore dire compulsoire à la base, on peut comprendre. Parce que c'est une qui fait aussi les dons. Elle fait juste les dons. Elle n'a pas une association. Et tu peux prononcer le nom de compulsoire parce que elle essaie de vouloir faire comme toi, même si elle n'a pas d'association. Tu peux prononcer le nom de Flore, tu peux prononcer le nom de Lolo. Tu prononces les gens qui sont dans les polémiques, en fait. Mais oui, Khalil, c'est ça. Hein. Selon ça, il y a trop de questions à se poser, en fait. Il y a beaucoup et beaucoup de questions. Il y a beaucoup et mille questions à se poser. Si tu n'es pas autant futé, tu peux pas voir son jeu. Parce qu'elle joue à un jeu très, 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 très dangereux, en fait. Elle joue à un jeu que demain, ça va finir d'écouler sa marchandise. Elle va dire, ah, c'est vrai qu'elle ne peut pas s'attaquer à Asda, mais. C'est vrai qu'elle doit s'attaquer à Asta, mais quelque chose me dit qu'elle est là juste pour se faire de l'argent. Et c'est pas mal, et c'est pas mauvais de se faire de l'argent. Mais à quel prix? Tu te fais de l'argent en lançant les trucs aux adversaires. C'est pas bon quand même. C'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Fais ton marché, vends ta marchandise sans prononcer le nom des gens. C'est quelque chose de très important. Sans mentionner les gens. Parce que mentionner les gens dans ça, c'est mener encore la reine Galois dans la bêtise. Et elle va se retrouver à répondre à chaque fois. On va inventer des choses sur elle. On va dire, tu as fait si tu n'as rien fait. Tout ça parce que tu es allé là-bas, tu au lieu de contenté de tes dons, tu as prononcé son nom. C'est qui a encore créé tout ce tonneau-là? Oui, mais vous blaguez. Peut-être c'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui ne voyez pas. Moi, j'ai lu ces jeux-là depuis. J'ai compris ça très vite. Attendez, je vais mettre ma connexion directe. Je vais me déplacer. Il y a trop de soleil ici. J'ai bu le vin. J'ai bu le vin et ma tête fait mal. Je suis sorti ma soie intérieure. Donc, si elle. Ouais. Donc, si Madoka, c'est vraiment. Et celle-là qui. Je trouve qu'elle est en train de vouloir utiliser le nom d'Asda pour se faire pour faire son marché. Oui. C'est le pas que je me dis pas, c'est ça. Parce qu'elle écroule, elle est en train d'écrouler sa marchandise. Hein. Tout ça derrière, elle lance les petits cartels, elle lance les petits cartels. Mais on va toujours mener Asda à ça. Même si ça fait la pub. Ça fait, non, il y a les publicités qu'il ne faut pas accepter. C'est vrai que depuis cette affaire. Et depuis que cette fille aux États-Unis a commencé à clasher la reine galloise, ça a attiré encore plus des donateurs à la reine galloise. Mais que, ce n'est pas ça qu'on compte, ce n'est pas de cette façon qu'on pense de Asda. Asda, c'est une association qui aide les enfants différents. Et si les ondes négatives vont être trop. Et si les ondes négatives vont. Et si en réalité les ondes négatives à chaque fois vont ramener la polémique tout autour de cette association, franchement, beaucoup ne vont plus prendre ça au sérieux.
Je pense qu'à un moment donné, il faut que on passe les ponts sur certaines choses. Tu peux faire ton blog sans toutefois prononcer le nom de Asda, parce que Asda, au-delà de tout. Asda, au-delà de tout, c'est une association déjà connue. Je pense que c'est même la première. Hein. Je pense que c'est la première. Et voilà que à chaque fois, bah, tu prononces le nom de Asda, c'est pas bon. Tu vois? Bah, tu prononces le nom de Asda, c'est pas bon. Les gens, ça ne dorment jamais. C'est quelle église qui ne dort jamais comme ça? Non, la reine galloise ne peut pas aussi être. Elle est sage comment? Elle ne peut pas. C'est pas si facile, hein. Elle trouve son profil là-dessus. Elle trouve son profil. La reine galloise a un profil. On ramène de la nourriture chez elle et ça, elle. Mais tu penses à ça, ça fait en sorte qu'elle économise un peu l'argent de ses enfants dont elle dépense à chaque fois, elle ne doit plus dépenser. Donc ça fait qu'elle économise un peu. Non, parce que ce que Dorcas est en train d'essayer de faire, elle vend sa marchandise, c'est bien beau, personne ne peut refuser, c'est bien de faire son commerce. Mais à quel prix? À quel prix alors? Oui. Parce que son association déjà est liée aux choses. Hein. Vous voyez maintenant, la reine galloise, de temps en temps, elle répond. Elle répond aux gens. Elle répond comme ça, là. Pourtant, avant, elle ne faisait pas ça. Elle était là, tout simplement, elle faisait ses choses. Elle en est son live, elle dansait, elle s'amusait. On a connu comme ça. Mais là, maintenant, quand tu as une Dorcas qui est derrière tout ça, là, elle est là pour vendre sa marchandise, mais vendre sa marchandise, ce n'est pas suffisant. Elle va à tout prix, elle va à tout prix qu'on sache que non. Et elle va à tout prix qu'on sache que non. Elle est liée à la reine galloise. Tu vois? Qu'elle est liée à la reine galloise, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut vraiment qu'elle sache faire la part des choses. Parce que ça ne sert à rien de coller son image à la reine galloise, qu'après, la reine galloise, elle-même ne se sent pas à l'aise, mais elle a peur de parler. Tu vois? Elle a peur de parler. Ça serait un peu comme si. Moi, je ne comprends pas. Mais tout ce qu'elle fait d'occasion, elle parle que de Asda. Tout ce qu'elle fait parle de Asda. Oui, tu peux lancer un live de 30 minutes, tu ne parles que de Asda et tu ne mélanges pas les noms des gens dedans. Tu vois, tu parles de Asda et puis tu parles de ton ancien général. Mais elle va s'attaquer à toi. Elle va s'attaquer à Asda. Elle va s'attaquer à toi. Oui, vous pensez que c'est facile. Vous pensez que c'est facile. Elle est obligée de donner des explications. À chaque fois, il faut qu'elle s'explique. Il faut qu'elle donne des explications aux gens. Tu vois? À chaque fois, il faut qu'elle s'explique pour des choses qu'avant elle ne faisait pas. Moi, je dis, la reine galloise va se trouver en train de répondre à tout le monde, à toi à travers. Pourtant, avant, elle ne répondait même pas. Avant, elle ne répondait jamais. Elle ne répondait jamais. Tout ça à cause de Tiako et Dorcas. Tout ça à cause de Dorcas. Elle nague les gens. Vous blaguez. Vous allez me dire, on va me donner raison. Les gens vont me donner, elle nague les gens. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour ça que ce matin, je voulais un peu attirer l'attention des gens. Mais franchement, si on laisse les dons, personne ne peut refuser les dons. Une association ne peut refuser les dons. Je dis aucune association. Peu importe d'où viennent les dons. La personne va prendre. Mais est-ce que derrière tout ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas les réseaux sociaux. Mais, tout simplement parce que tu es parti faire un don. Et tu es parti faire un don. Toi qui es sur les réseaux sociaux, tu es parti faire un don. Son nom commence à être sur Facebook. Tous les jours, maintenant, on parlait d'elle. Pourtant, elle n'a jamais été sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle n'a jamais été sur les réseaux sociaux. Tu vois?
Donc, Dorcas, franchement, il faut laisser le nom de ton général. Laisse le nom de Ndole Miondo. Laisse tous ces gens-là. Vends ta marchandise sans prononcer le nom des gens. Tu vas voir que tout va aller mieux. Tout va aller mieux. Elle met S là-dedans. Et si on ne lui dit pas, elle va continuer. Si on ne lui dit pas, elle va continuer à le faire. Si on ne lui dit pas, elle va continuer. Si on ne lui dit pas, elle va continuer. Oui, si on ne dit pas, donc, parce que non, c'est que tu es en train de faire là. Tu essaies de manipuler l'association de la reine galloise pour te faire de l'argent. Oui, fais-toi de l'argent même derrière. Viens seulement citer le nom des gens qui ont envoyé les dons à la reine galloise, sans narguer les autres. Ne nargue personne dans ce que tu fais. En voulant narguer, tu attires plutôt l'attention des détracteurs, encore ils vont encore plus insulter la reine galloise, inventer les choses que la reine galloise ne fait même pas. Tu trouves ça bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. À quoi sert de vouloir narguer quelqu'un? C'est pas bien. Si tu constates, Dorcas a encore commencé à faire des éloges, des latines, des usins. Bon, puisque c'est elle la fondatrice de la team des usins, elle va encore faire la talakou comment? Elle a besoin des gens, c'est normal, non? Elle a besoin des gens calés. Dorcas, c'est une stratège, mais il pense que sa stratégie, c'est elle va mêler Asta à tout ça là et ça va tourner au vinaigre à un moment donné. C'est mieux qu'elle se fasse de l'argent sans pouvoir prononcer as dans tout ce qui est fait. C'est encore plus mieux. Moi, je trouve que c'est encore plus mieux de faire ça comme ça. Parce que prononcer as dans tout ce qui est fait, franchement, ça encore attirer plus l'attention des détracteurs. C'est pas tout. Je l'ai entendu dire hier que. J'ai entendu dire que ces gens-là continuent à saboter Asda. Mais elle ne sait pas ce que ça fait. Il y a des gens qui hésitent d'aller faire les dons à Asda. Tu vois, parce que dans ça, Ndole Miondo, elle apporte le tribalisme. Tu vois. Et quand elle fait ça, je dirais les gens qui ont l'esprit du tribalisme, les gens qui ont vu même faire des cadeaux à la reine de la, ils vont dire mais donc. C'est que Ndole Miondo l'a dit est vrai. Donc tu ne prends que les Bamileke là-bas. Ça va décourager la personne d'aller faire les dons. Tu vois? Et il y a des gens sensibles. Il y a des gens tellement sensibles à ça. Au truc comme ça là. Il y a des gens sensibles. Tout ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une personne veut vendre sa marchandise, elle prononce le nom d'Asda. Ça attire encore l'attention de ceux qui. Parce que je pense à un moment donné, Ndole Miondo avait oublié, elle avait vraiment oublié ces gens. Elle avait oublié, elle ne parlait plus de. Elle ne parlait plus d'eux. Elle ne parlait plus de ces gens-là. Mais à force de venir leur narguer là, c'est pas bon, franchement. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle a cette facilité-là de narguer les gens. Vends ta marchandise. Tu ne verras personne venir te nuire que non. Donc, quand tu vends ta marchandise, oui, fais ton marché. Nous-mêmes sommes contents de voir. Est-ce que tu as donc, mon prof, est-ce que tu as donc appris la leçon? Tu as donc appris la leçon de tout ça. Tu n'as rien appris. Si vous voyez, elle n'a rien appris. Aujourd'hui, même, elle prononce le nom de cette fille-là. Elle est prononce le nom de cette fille en laissant Asda derrière. Oui, tu peux lancer un live, tu parles de Asda pendant 30 minutes, 20 minutes. Tu parles rien que de Asda. Et tes cadeaux, et les dons que tes donateurs ont fait. Tu parlais de ça. Mais quand tu mélanges le clash, ton clash et Asda. Mais la reine m'a fait monter te justifier. Monter te justifier. Si tu n'es pas d'accord avec moi, convainc-moi, même sans commentaire, convainc-moi, je ne suis pas d'accord, je vais comprendre. Parce que on prend ça. Je répète encore ici que je ne suis pas contre. Sa stratégie de marketing. Mais c'est quelque chose qui peut détruire la reine galloise. Et tout ça attire encore plus les détracteurs vers la reine galloise. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle veut dire. C'est sa politique pour faire son marché. Mais franchement, c'est une politique que. Parce qu'à chaque fois qu'elle sort, elle met le nom d'Asta dans tout ça. Elle nargue les autres. Tu penses qui est fier qu'on le nargue? Personne. Personne n'est fier qu'on le nargue.
Personne ne fiait Colonna. Oui, personne ne fiait Colonna. Elle a sa stratégie, sa façon qu'elle écoute sa marchandise. Elle écoute son manioc, ses macabo, oui. Mais à quel prix? À quel prix elle le fait? À quel prix elle le fait? Il ne suffit pas de dire oui, j'ai été chez Asda, mais tu prononces encore le nom de tes détracteurs. Tu prononces le nom à chaque fois. Tu appelles le nom, mon ancien général. Tu appelles son nom, Tchamal, franchement. Faut dire la vérité aux gens. Hein. Faut leur dire la vérité. Même si, au moins, je peux déjà admirer qu'elle s'est remise en question. C'est déjà une bonne chose. C'est très beau de se remettre en question. Mais tu te remets en question. As-tu appris? Tu te remets en question. Tu as appris la leçon. A-t-elle appris la leçon? Alors? Peut-être qu'on ça n'a rien appris. Hein. Peut-être qu'on ça n'a rien appris. Elle n'a pas appris la leçon. Ce qu'elle a fait son général, elle n'a rien appris. Oui. Il se trouve. Elle n'a rien appris. Ouais. Non, la reine Mafo, toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Tu n'en conviens pas avec moi que, à un moment donné, si la reine galloise ne parlait pas, on ne parlait plus trop d'elle. Elle parlait d'elle-même sa part. Je veux dire, la polémique. Elle n'était pas trop dans les polémiques. À tort, à travers. Elle n'était pas dans ce genre de polémique. La reine galloise était dans son coin. Elle s'occupait de son association. Elle parlait de ses enfants. Elle jouait avec son fils. Qu'on appelle, je sais pas comment on l'appelle, ou c'est Luther, oui. Je pense que c'est ça. Elle jouait avec son fils. Mais aujourd'hui, elle est là juste pour vendre ses macabos. Il faut dire la vérité telle qu'elles sont. Les gens ne voient pas ça. Moi, je dis, c'est bien de vendre sa marchandise. Mais laisse les. Elle peut lancer un live. Hein? Elle peut lancer même un live. Elle parle des dons qu'a fait les donateurs. Elle cite même le nom. Mais dans ça, elle ne cite pas le nom des détracteurs. Pour le narguer, c'est pas bon de le narguer. Pourquoi? Parce qu'en les narguant, ça va faire que lui qui sorte et puis. Et inventer les choses sur la reine galloise. Et la reine galloise ne supporte pas. Vous avez vu, avant-hier, elle a fait un live où elle parlait à Ndola. Elle a clashé Ndola Miondo. Elle a traité les Awa. Pourtant, la reine galloise ne faisait plus ça depuis longtemps. Et vous pensez ça, c'est pas ça la touche. Elle est touchée parce que disent ces gens. Oui, elle est touchée. Bonjour Audrey, ça va? Bon dimanche. Elle peut faire son commerce. Non, Audrey, tu demandes si la reine Galois ne peut pas sortir et puis répondre, mais toi, tu sais que la reine Galois, ça fait longtemps qu'elle est sortie des clashs. Nous savons tous que la reine Galois, c'est une grosse clasheuse. Mais quand tu décides de changer un peu de ligne éditoriale, mais elle est dans un autre monde. Acceptons son monde. Tu vois, elle n'est plus dans ça. Merci, super, super. Elle n'est plus dans ça. Non, il faut te dire les choses. Hein. Il faut te dire les choses. Parce que Dorcas, avant d'aller au champ, Dorcas, avant d'aller au champ, elle revient aussi facilement comme ça là. Elle crée encore une petite polémique. Mais il faut être fou pour l'accepter. Oui. Elle doit protéger plutôt Asda. Elle peut vendre sa marchandise. Ça, je suis d'accord. Moi, d'ailleurs, j'encourage l'entrepreneuriat. Je l'encourage beaucoup parce qu'elle a. Elle a une Américaine qui a décidé de rentrer au pays et puis faire son commerce. J'encourage ça. Mais est-ce que derrière ça, tu veux utiliser le nom des gens? Les deux noms qu'il fallait que tu utilises pour faire ton commerce, tu n'as pas pu utiliser. Tu as voulu cogner leur tête, Lolo et Flore. Mais ça n'a pas marché. Comme tu as vu, ça n'a pas marché. Donc, général, et toi, vous avez eu les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le matin, tout à l'heure ce matin, je parlais un peu des sorciers. Je parlais des sorciers en langue. Parfois, tu regardes tu dis que ton sorcier. Et dans ta maison, il est dans l'imaginaire. Pourtant, il est auprès de toi. Il suffit que tu ouvres tout simplement bien les yeux, tu vas le voir. Mais son sorcier était Tiamalu. Sa sorcière était Tiamalu. Donc, si je comprends bien, Audrey se plaît dans ça.
elle aussi la reine galloise. Elle se plaît dans ça. Bah, je ne comprends pas. Si elle se plaît dans ça, qu'elle dise une fois qu'on salisse son association comme ça, pour qu'elle n'ait pas plus de dons. Non. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. J'étais toujours d'accord, mais là, je ne suis pas d'accord. C'est gagnant-gagnant. Dans quoi? Gagnant-gagnant. Allô, allô, bonjour la reine Mafou. Oui, bonjour Cash, comment tu vas? Eh bien, et toi? Bon dimanche. Ça va, bon dimanche. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que je vais t'expliquer quelque chose. Bon, moi je trouve que ce qui a fait que on commence à clasher la reine Galère, c'est parce qu'elle s'est affichée avec Flore. Déjà, c'est là la base. On est d'accord. Parce qu'elle s'est affichée avec Flore. Et c'est là que le camp d'en face, je peux dire comme ça, ils ont commencé à insulter la reine galloise. C'est de là où tout part. Voilà. Si aujourd'hui, Dorcas, elle a fait combien de temps dans son champ là-bas et tout, elle revient, tu ne vois pas comment depuis son ex-général l'insulte. Tu ne vois pas Bonjour, que depuis. Hélène. Bienvenue. Bon dimanche. Vas-y, vas-y. Vas-y, la reine m'a fait. Vas-y, excuse-moi. Allô? Allô? Bonjour Lolande, bonjour. En fait, si je comprends bien la reine Mafou, si je comprends bien, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, s'il vous plaît, dites-moi si vous m'écoutez quand même. Allô? Si vous m'écoutez, dites-moi, si vous m'écoutez très bien. Ah, j'ai mis les écouteurs. Si vous m'écoutez, dites-moi s'il vous plaît. Audrey, ok, merci. Très bien, j'espère. Voilà, si je comprends bien ce que veut dire la reine Mafou. Ça veut dire que, si je comprends bien ce qui veut dire la reine, ça veut dire que depuis les problèmes de, depuis la rencontre de la reine galloise, et Mafou et on appelle comment le journaliste s'appelle comment voilà, rappelez-moi un peu son nom. Et le journaliste est là. Ça veut dire que les gens là seuls fait toujours là-dessus pour être pour attaquer à la reine galloise. Je ne pense pas à la reine Mafou. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt le contraire, en fait. Je pense que ces gens-là profitent parce que ce n'est plus Flo qui est le problème là maintenant. C'est vrai qu'au départ, c'est la présence de Flo avec la reine Galois qui a fait que les gens commencent à l'attaquer. Mais c'est ça qui est même pour rien. Parce que peu importe ce qu'on va dire, Flo, c'est la reine Galois, c'est la fabrication de Flo. Ça, c'est quelque chose de, à n'est pas, ça, c'est un truc qui n'est pas évité. Mais la question que je me pose, c'est quoi? C'est que déjà, à la base, ce n'est plus ça, depuis un moment donné, on parle trop de tribalisme. On dit que la reine galloise ne reçoit, elle ne reçoit que les enfants bannés là-bas. Elle trie les gens. Et c'est d'où vient le problème alors? Tu vois? Là Alors, où le problème. je peux parler, je suis dans le live. Bah, tu es dans le live, Je ne vas-y, sais tu es pas dans trop le live. ce qui s'est passé tout à l'heure là. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Moi, je n'ai rien compris. Ok. Comme j'étais en train de dire, j'étais en train de dire que elle est dans son champ là-bas. Mais son ex-général, elle continue toujours à parler d'elle, non? Elle l'insultait, non? Elle a même fait monter une soi-disant de la sœur de qui là. Je sais pas, mais c'était qui, une fille qui a vécu avec eux. Dorcas, elle montait pour faire des révélations là-bas, non? Ok, Ouais. si tu sors maintenant de son champ, elle décide de répondre. Elle décide de répondre. Maintenant, c'est à nous. Elle a un temps, elle a voulu monter la tête entre Flo et Lolo. Nous, on n'a pas géré ça. Et nous, je parle des faux profils. Ouais. Et aussi les Ouais. stars. On n'a pas géré. Elle a sa stratégie de guerre, sa stratégie de combattre ses adversaires. Voilà. Maintenant, c'est les gens, ce sont des adversaires être plus intelligents que elle. Tu comprends? Non, la reine Attends, m'a faux. Non, attends, attends, on je. échange, on échange, on échange, on échange. Parce que Écoute. si tu es longue, on ne peut pas se comprendre. C'est pas ça. Voilà, tu sais, c'est un peu comme si le Flo lançait un peu son projet là, de temps en temps. J'avais les informations concernant ça, je lâche et puis je pars. Elle dit, tu sais ce que je suis en train de faire. Je vais détruire son. Je vais la détruire. Je vais essayer de la détruire. Mais si Flo, à chaque fois, va rester tranquille, mais tu sais pas ce qu'elle subit. Les gens la subissent beaucoup, hein, mais elle ne veut pas seulement parler, elle néglige tellement d'autres choses, mais ça les fait mal. Mais pour Dorcas, sa stratégie, c'est de couler sa marchandise. C'est bien beau de couler ta marchandise. Mais à quel prix? Tu peux essayer de mettre le nom des gens à côté pour faire ton commerce. Là, je suis d'accord avec ça. Mais ramener sur le nom des gens, vouloir toujours ramener le nom des gens dans ça, mais ça éternise aussi leur image, même en quelque sorte. Les gens qui faisaient confiance à ces gens-là,
le feront plus parce que leur nom est impliqué dans certaines choses. Et c'est pas bien. Donc je pense que si on parle de football maintenant partout, partout, n'importe comment là, il y a les sponsors qui, ne vont pas trop chercher à présenter fort. Tout ça parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont une tendance à la ramener dans la bêtise. C'est dans ce sens que moi je vois les choses. Je ne vois pas les choses dans. En fait, je ne sais pas comment toi tu vois, mais okay. Voilà quoi. Moi, je vois les choses comment. Moi, je vois chacun sa stratégie. Je veux une voix, cela, quelqu'un a dit qu'il faut que la reine galloise dise. Moi, j'écoute le direct de la reine galloise, de Dorcas, pardon. La seule chose que j'ai vu qui était ma sœur là-bas, c'est ramener le nom de Lolo, c'est tout. Voilà. Moi, c'est Oui. la seule chose que j'ai vu mal faire là-bas, dans son Oui. direct. Oui. Voilà. Donc, C'est quand elle a voulu ramener le nom de Lolo. C'est ça que moi je n'ai pas aimé. là. Mais tout ce qu'elle a dit, dans ce moment, je n'ai pas trouvé. Moi, je n'ai rien trouvé de bizarre. Elle a donné les noms des gens qui ont contribué. Elle a dit quelque chose de très vrai. Que Oui. vous continuez à harceler Asta. Les gens viennent commander chez moi. C'est les deux gagnent, point final. Est-ce que Non, c'est faux? écoute, ça ne veut rien dire. La reine m'a volé deux gains quand elle écoute sa marchandise. Ça ne veut rien dire. C'est ce qu'elle a Mais dit. elle Elle a écoute, dit oui. elle gagne, non? Elle Et gagne. les enfants aussi mangent, non? Les enfants Vous voulez quoi? mangent. Mais écoute, les enfants mangent. C'est bien beau que les enfants mangent. Donc, tu penses que les flots sont fiers on prononce leur nom négativement à tout moment. Comment tu peux dire des choses comme ça toi-même? Toi qui es dans le game depuis longtemps, tu deviens un peu. Pour moi, Qu'est-ce qu'elle a dit sur Asda de mal? non. Moi, j'écoute son direct. Oui. Moi, je n'ai pas vu. Elle a dit quoi? Elle a nagué, elle a nagué, elle a nagué. C'est son général en disant ceci, en disant que les données aient pu faire le bruit bavarder beaucoup. Ça a encore attiré l'attention de son général. Attends, là, je ne suis pas Lui, d'accord. C'est tout à fait normal. qu'est-ce qui est normal? Tu n'as pas compris comment son général a demandé à l'autre de ramener les dons qu'elle a donnés. Tu racontes même quoi? Non, C'est une réplique. non, attends, Donc, là, donc, attends, vous voulez que la attends. fille, non, vous Non, voulez non, que la non. fille passe son temps à clasher les gens? On ne doit pas répondre à cette fille. Non, écoute, mais est-ce que, dis-moi, depuis qu'on répond aux gens là, ça a changé quoi? On parle ici d'une Non, ça association. n'a rien Non, changé. on parle ici d'une association. On ne parle pas des personnes lambda. On parle d'une association qui aide les enfants différents. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'ici de Dorcas. Je Demandez, parle. tu as Oui. écouté le direct de la fille là sur Asda? Je la Tu as suis plus écouté? parce que moi, j'ai bloqué cette fille. Je la suis plus. Ok, c'est parce que c'est pour ça que tu parles comme ça. Parce qu'on va se mettre. Même le fait qu'elle dit que c'est seulement les enfants bamlékés, c'est faux. Moi, je suis arrivée là-bas, ce n'est pas seulement les enfants bamlékés qui sont là-bas. C'est Ça, c'est ce faux. qu'elle dit. Non, je sais Non. que c'est faux. Ouais. Ici, on analyse. Ici, on essaie d'analyser les dits. On analyse les dits de ces gens. Je ne dis pas que c'est vrai. C'est une association. On parle de l'association. Je ne parle pas de Dorcas d'elle-même. Ce que Dorcas essaie de faire, c'est bien. Elle écoute sa marchandise tout en faisant la publicité de Asda. Mais ramener le nom des gens qui ont clashé la reine galloise. Parce que ça ramène la reine galloise toujours dans la bêtise. Bon, regarde, la reine galloise est sortie, elle a clashé une dollar million. C'est pas une dollar million, c'est tranquille. Elle va inventer les choses sur la reine galloise. Et tu n'en sais pas. Tu sais qu'il y a trop de tribalistes. Tu sais qu'il y a trop de tribalistes sur la toile. Les gens qui pouvaient encore faire des dons à la reine galloise, ils vont dire donc, c'est vrai que tu reçois rien que les Bamlékés chez toi. Et ça va créer encore plus de problèmes. Ça met encore plus de doutes. Faut te dire la vérité, la reine m'a fou. Je sais que ce que fait Dorcas, elle s'est déclinée, c'est bien beau qu'elle s'est déclinée de tout ça. Mais ramener toujours la reine galloise dans tout ça, son as dans tout ça, c'est pas bien. Oui. Comme je change, moi je pense que chacun a sa stratégie et bon, on verra, hein, moi je sais pas. Non, ce n'est pas que tu rends Audrey, ce n'est pas que tu rends crédible les dits de Tiamalou. Ce n'est pas ici là, non, au contraire. Ces dits ne seront jamais crédibles parce qu'il y a un manque beaucoup, tu vois. En fait, le but, ce n'est même pas de trop la citer ici là. Moi, je parle effectivement de Dorcas. Quel est le rôle que joue Dorcas en écoulant sa marchandise? Moi, j'ai dit, elle peut faire du live. Elle fait un live uniquement pour parler de Asda et ses dons. Les dons qu'elle-même elle a fait, tu vois. Toutefois prononcer le nom des détracteurs. Là, maintenant, elle pourra maintenant faire un live en parlant de ces gens-là, tout en leur disant que non, tout ce que vous faites là, ça n'attire que la popularité vers cette personne-là. Mais elle ne prononce qu'au nom de Asda, parce qu'en ramenant tu vois, Asda là-dedans, mais ça fait en sorte que ça attire encore plus d'ennemis. Ça attire encore plus d'ennemis. Vous avez une façon de réfléchir qui est très bizarre. C'est vous qui simplifiez, à qui on répond. C'est vous qui simplifiez, franchement. Vous simplifiez à qui on répond. On ne simplifie pas l'adversaire. Ce qu'elles font là, c'est de vouloir détruire, gagner l'image de Asda. On appelle encore le journaliste, s'appelle encore comment là? Dites-moi un peu le nom du journaliste là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment?
J'oublie comment lui s'appelle. On appelle-t-il j'oublie le nom du journaliste là. Alain Foucault. Alain Foucault. Voilà. Alain Foucault. Vous pensez que c'est. Les gens là sont allés jusqu'à écrire à Alain Foucault. Vous pensez que ça n'a rien dit à Alain Foucault. Même s'il peut le. Même s'il peut continuer à faire les dons à la reine galloise. Il peut le faire maintenant par hypocrisie. Mais pas parce qu'il est parti, c'est dire que non, ça va entacher son image. Il le sait. Ça fait de parler d'un négativement. En plus, une association qui est reconnue au Cameroun déjà. Dorcas va faire son marché, c'est bien, il faut l'avouer. Elle est libre de faire son commerce. Mais est-ce que ça vaut la peine de vouloir tu ramener Asda dans tout ça? Ça, c'est ma question de ce matin. Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ne me dites pas que c'est donc. En fait, vous allez me dire donc les la fille des États-Unis là, elles sont en train de clasher Asda parce que la reine galloise s'est vue avec Flore. Non, ce n'est plus ça. Le problème au-delà de ça, le problème au-delà de tout ce qu'on raconte là. Salut Nikita Fernandez. Elle va se dissocier des clashs. Oui. La reine galloise n'était plus dans ça. Elle n'était plus dedans. Ouais, elle n'était plus dans ça. C'est depuis le don de la fille des États-Unis qui a fait en sorte que tout ça arrive, en fait. Non, personne ne croit. Mais toi, Audrey, tu ne crois pas. Mais d'autres croient, si tu ne sais pas. Donc, tu penses que les gens qui sont là, une à chaque fois qu'elle raconte les bêtises là, ces gens ne croient pas. Ils sont là pour faire quoi? S'ils ne croient pas. Non, dis-moi, elle a 350 personnes en ligne. Tu penses que si tu suis les 300 personnes, au moins 10 personnes ne croient pas à ça. Ils croient à ça. Peut-être parmi il y avait les potentiels donneurs, les gens qui vont encore faire les dons. S'il n'y a que 2 personnes qui vont encore faire les dons, ils vont douter. Tu vois? Ils vont douter. Oui, laisse-moi dire, c'est ça. Ils vont douter. Tu vois, quand Dolan Nyon est en train de parler, il y a 300 personnes qui sont là. Ce sont les robots qui sont là. Non, dis-moi toi, Audrey. Dis-moi un peu. Ces 300, ce sont les robots, ce ne sont pas les robots. Ce sont les haineux qui sont là justement pour détruire, vouloir détruire Asda. Et on connaît, ils peuvent passer par tous les chemins pour le faire. Et si on attire justement l'attention de Dorcas, quand tu fais tes lives, évite de trop vouloir ramener Asda dans ça. Oui. Voilà, 80% de ces dons viennent de ces gens. Ça vient des réseaux sociaux, un peu de tout. Vous et moi, tout cela. Moi j'ai contribué à la reine galloise une année. Je pense en 2000, c'était en 2022, 2020, fin 2023. J'avais donné, je pense, un 70 euros là-bas. 50 000, c'est ça, non? 50 000, 70 euros. Non, 80, oui, 80 euros comme ça, là, 50 000. Je l'avais fait. Et imagine-toi si moi j'ai le même esprit que ces gens qui sont là d'une dollar million d'or. Je pense à ça. Vous pensez que je n'ai pas encore une cotisation là-bas? Je vais dire donc, c'est vrai. Elle choisit maintenant les gens qui vont prendre. Non. Quand on réfléchit pour tout le monde. On ne réfléchit pas forcément pour soi. Audrey, je suis d'accord avec ton analyse, mais sache qu'il y a des gens ici dehors qui n'attendent seulement des petites occasions ça, là, pour te lâcher. Tu le sais. Ils attendent seulement les petites occasions pour te lâcher. De rien. Il ne faut pas grand chose pour te lâcher. Il ne suffit de rien pour te lâcher. C'est juste les petits trucs comme ça, les petits polémiques à deux balles. À chaque fois que tu veux vouloir ramener. Le but, ce n'est pas que les dons ont baissé ou pas. Ouais, vraiment, franchement, on va expliquer ça comment. Le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que Asda ne soit plus prononcé négativement dans les lives. Si tu veux parler de Asda, pas de Asda positivement, parle rien que de Asda. Fais un live rien que de Asda. Pour Asda. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu fais descendre à chaque fois?
Allô? Oui, alors tu m'écoutes. Ouais, je t'écoute, vas-y. Ouais. Je dis que j'ai l'impression que non, tu n'as pas encore compris mes cas. Même si aujourd'hui, Dorcas, comment on dit, arrête d'appeler le nom de Asta, le jour que la reine Galois va se présenter, elle va aller peut-être, elle va rencontrer Flore, ou bien elle va rencontrer Lolo, on va toujours insulter Asta. C'est ça la réalité de Facebook. Pourquoi? Parce qu'il y a les clans et elle ne fait pas partie de leur clan. C'est tout. On est d'accord. Oui, nous sommes d'accord, mais ça, c'est le Voilà. problème. Moi, je te dis Te dis, encore. pour te faire comprendre que non, même si la, elle s'appelle comment, même si Dorcas ne parle pas de Asta aujourd'hui, si les gens d'en face veulent insulter Asta, ils vont insulter. La reine m'a faut soit honnête. Elle s'est déplu un temps. Est-ce qu'on entendait encore? Est-ce qu'on avait encore... La reine Galoise avait encore clashé un jour. Soit honnête. C'est depuis les dons Je de suis la fille honnête qu'elle là. n'avait plus, elle n'avait plus Voilà. clashé. Qu'est-ce qui a, Bon. qu'est-ce qui a fait qu'elle recommence à clasher? Mais Dorcas qui a commencé tout ça, faut te dire la vérité. Ce n'est pas Dorcas qui a commencé tout ça. Ce n'est pas là où tout part. Ça vient d'où? Ça, tout part du jour que comment dire, elle et Flore se rencontrent. Oui. C'est là où tout est parti. Qui a Dorcas n'était commencé à même pas encore clasher? dans le Attends. game. Qui a donc commencé à clasher la personne? Si ce n'est pas Donc, la reine. La reine. la reine Galoise a, comm... a commencé à valoriser Flore, Ko, la maman de Facebook, la reine de la Ombaoundou et tout. C'est comme ça que les détracteurs ont fait le panel, ils l'ont insulté. C'est là Oui, où tout est parti. je suis d'accord avec toi. On ne se comprend pas ici. Si. Est-ce que là, alors, dans ce que Mafo et la reine Galoise ont fait, la saison, elles ont clashé, elles ont ce que l'on appelle là-bas. Parce qu'elles Non, ont elle n'avait pas fait. ce nom de quelqu'un. Voilà. Elle n'avait pas le nom de quelqu'un. Elles ont fait le Mais truc. est-ce que ça empêchait qu'on la clash? C'est ça le problème. C'est ça que je veux te faire comprendre. Est-ce que ça empêchait que ces gens-là sortent sur elle? Non. Non, la Non. fille des États-Unis se basait sur le fait qu'elle a fait les dons là-bas. Elle a trouvé que non, en faisant les dons là-bas, elle est plus affichée avec Flore. C'est d'où elle commence à clasher Mais Asta fort, fort, clasher la fille de Galois fort. elle est qui pour dire à la Galoise avec qui elle doit marcher? Je demande même vous voulez museler les gens sur la toile. Non, tu ne comprends pas. Je ne suis pas là-bas. Mon point n'est pas là-bas. Toi, tu veux ramener l'histoire de Flore et la reine Galois. Mon point n'est pas là-bas. Je suis Le au problème, niveau c'est de vrai. l'association. Je suis au niveau de l'association. Je dis ceci. Moi, je suis d'accord que Dorcas fasse. Face au marché, c'est légitime. Mais elle essaie de ne plus trop ramener Asda dans tout ce qu'elle fait. C'est ce que j'ai dit. Ok. Nous sommes d'accord Je ou te pas? fais C'est ce comprendre. que j'ai On est dit. soumettant. Peu importe ce que la reine galloise fait, on va toujours ramener ça sur Asta. Peu importe, on est soumettant. Et Meta a toujours fonctionné comme ça. Parce que soumettant, on veut faire quoi? Soumettant, on a cette tendance d'aller toucher le. Pas le gain, d'aller toucher ce que les gens. De toucher où ça fait mal. C'est ça, soumettant. On veut te toucher où ça fait mal. Dès Donc, que la reine galloise prend tellement son association à cœur. C'était le seul moyen pour toucher la reine galloise. Ou ses enfants, ou Asta. En tout cas, Asta et ses enfants, c'est lié. C'est ce que je pense. Voilà. Dorcas, c'est une grande blogueuse. Dorcas, c'est une petite tête dans le blog. Sa parole porte beaucoup. Dorcas prononce le nom tout le temps là. Parce que Je n'ai pas refusé. je te jure que si peut-être moi, je peux ici, peut-être moi, je prononce le nom de la reine galloise. On ne doit pas trop prendre ce sérieux, mais du moment où Dorcas prononce là, on va trop vite avec créer une polémique. Ça va créer encore une bombe sur les réseaux sociaux. Donc, ça est dit, Dorcas peut faire son marché, mais tout en évitant trop d'appeler. Bien te vanter la reine galloise, c'est normal. Elle fait sa publicité. Mais ne nague pas les gens, c'est ce que j'ai dit. Je ne demande pas qu'elle ne parle pas de la reine galloise, elle peut parler d'elle. Mais qu'elle ne nague pas les gens. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vends à ce voile. Qu'elle ne nargue pas les gens. Moi, je dis, bien écouter le direct de la reine de Dorcas. Son dernier direct, moi, je n'écoute même pas. D'habitude, je n'écoute même pas tous ces directs. Le Ouais. dernier direct qu'elle a fait, j'ai écouté ce direct parce que j'étais au travail, je me suis assis à écouter ce direct. Franchement, moi, le seul moment où j'ai vu qu'elle voulait un peu un jar, et puis Pasto est venu recadrer ça un jar, c'est qu'elle voulait commencer à parler de Lolo. C'est le seul moment que Voilà, j'ai vu. ce que je Voilà. raconte. Tu sais, j'ai dit que donc c'est une stratégie, elle est trop forte. Elle connaît la stratégie de OK. guerre. Elle veut mêler, c'est pour ça qu'elle veut mêler les gens dans sa guerre. Elle n'est pas bête. Elle a mêlé encore le nom de Loulou dans ça. Pourquoi le faire? Ramener encore Asda dans ça. Pourquoi? Vendre ta machine sur le nom des gens. C'est ce que j'ai dit. C'est ce Alors, qu'elle essaie de faire. moi, j'ai compris le but du direct de Dorcas. Quand elle venait, elle venait remercier les gens qui ont contribué. Voilà. Elle appelait les noms des gens au début, non? C'est Voilà, ça, oui. non?
Ils sont passés par elle, non? Voilà. Elle a passé un message que j'ai trouvé très important, que si les détracteurs ont compris, c'est qu'ils vont comprendre que ça ne sert à rien de combattre cette femme. Elle a Voilà. dit, plus vous combattez cette femme, plus les gens viennent acheter. C'est un peu ce que je suis désolée si je veux un peu faire un peu le lien, parce que moi, je suis la team PDGiste. Même si je remarque que je suis aussi fait, je suis la team PDGiste. Ouais. Chaque fois qu'on combat Flo, c'est là qu'elle réussit. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Tu Non, comprends mais un ça peu, c'est ton hein? avis. Mais ça Voilà, c'est ça ton c'est mon avis. avis. Mais C'est ça c'est mon ton avis à avis. moi. Mais ça c'est ton Oui. avis à toi. Donc, elle a passé un message. Plus vous combattez Asda, plus les gens viennent acheter le macabre et tout chez elle. Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que ça ne sert à rien d'être là et combattre. Elle a passé un message à sa générale. Elle a parlé à sa générale. C'est entre eux là-bas. Ils ont fait les choses ensemble. Donc, si je vous dis qu'ils se clashent entre eux là, nous, on est là ce moment-là pour regarder. Et puis maintenant, elle a même un peu détourné, elle a détourné un peu sur Lolo et Jean, directement parce qu'elle est entrée. Donc, c'est la seule chose que moi j'ai vue qu'elle a fait un peu qui était malsain dans son La reine m'a direct. faux. La reine m'a faux. C'est ton Voilà. travail. C'est vous qui ne voyez pas le jeu de Dorcal. Moi, j'ai dit que la matière là, c'est une matière. En fait, elle a appris beaucoup de Lolo et Flore. Elle a appris beaucoup. Tu vois, ce qu'elle fait là, elle essaie simplement de distraire les gens. Elle distrait simplement. À quoi sert de ramener le nom de quelqu'un qui ne prononce plus ton nom dans ses lives? Et tu ramènes son nom quoi, négativement, en voulant tout faire voir. Pour aux gens que nous, tu as donné des choses sur les gens. Mais franchement, moi, je ne comprends pas. Moi là, je suis d'accord. Moi là, je suis très d'accord qu'elle ne devait pas le faire et tout. Mais dire qu'elle ne devait pas aller remercier les gens qui sont venus contribuer pour Asda, parce que c'est dans ce domaine-là qu'elle a parlé. Elle a dit, elle a fait comprendre aux gens que plus vous insultez Asda, plus les gens viennent acheter chez moi. C'est tout ce qu'elle a dit. Donc, vous n'êtes pas quand même empêché les gens de venir dire ce qu'ils pensent sur la toile. Arrêtons un Non, peu. on n'empêche personne. On n'a jamais Voilà. empêché personne. Mais le problème se pose aussi, on le sait tous, c'est à cause des détracteurs que Flo a perdu sa société. On a simplifié. Si Flo n'avait pas été Ouais, sérieux, oui, on a ça simplifié. cause la Voilà. réalité, c'est très vrai. C'est très Voilà. vrai. C'est parce qu'on a négligé les trucs comme ça, ça arrive. Si on n'avait pas négligé, pour la reine de la même chose. On se dit que non, on parlait seulement, on en fait sa Mais vérité, mais le ça entache problème, son c'est image. que le problème, moi je trouve aussi que le problème aussi, c'est que je sais pas si tu as compris le bloc camerounais en fait. Chez nous, il y a une haine déjà. Déjà, il y a d'abord un marché, le côté tribal déjà qui a venu s'installer entre nous. Tu comprends un peu? Et puis, il y a une haine que j'ai l'impression que non, même quand les blogueuses font la paix, nous, les faux profils, on est derrière pour qu'il n'y ait pas la paix. Donc, ça veut dire que, moi, je pense que ce ne sont même plus les blogueuses qui gèrent leur blog, mais ce sont les faux profils qui gèrent, je peux dire, si je peux me dire les faux profils, ce sont comment dire, les fans, disons comme ça, qui gèrent le Partager, blog de cette partager. blogueuse. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Et puis maintenant, donc ce qui fait que quoi? Ce qui fait que ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer à la reine galloise aujourd'hui, moi je trouve que même si la reine galloise arrête de parler, le jour qu'elle va peut-être, ou bien qu'elle va peut-être, elle avait peut-être même une loulou comme ça. Tu vas voir, on va toujours venir insulter. On va pas insulter la reine, parce que tu es grasse. Avec ta longue bouche, non. On va venir s'en prendre à Asta. Parce La qu'on reine sait m'a que ça faux. lui tient à cœur. C'est ce que moi, je pense. La reine m'a faux. La reine m'a faux. C'est pas pour Oui. rien. C'est pas pour rien qu'on a nommé Bertrand président. C'est pour combattre ce genre de personnes. C'est pour combattre ce genre de fléau. Pourquoi ça n'arrive plus? Ça On se fait ça coupe à quelle autre un peu, personne? hein. Ça se Allô? coupe. C'est bon? Ça se Allô? coupe. Oui, ça c'était bon maintenant. Voilà. Au lieu de s'attaquer à la personne, peut-être de Flo ou de Lolo, tu t'attaques au gagne-pain de Lolo. On n'a pas besoin de ça. C'est pour ça qu'on a créé cette team-là. Il faut que les choses soient se rétablissent. Laissez les gens évoluer dans leur business. Ne vous attaquez plus là. C'est ça le problème. Ça continue tout seul. Ça ne changera pas. Non. Comme de la façon que je suis en train de voir les choses. Cache-moi, on est sur Meta, non? Moi, c'est depuis 2014 que je suis là. Hein. J'ai vu tout sur Meta. Ça ne Non, changera pas. mais comment tu veux que ça ne Voilà. changera pas? Comment est-ce que, mais donc, c'est vous finalement qui voulez Cache-moi, qu'on fasse j'ai venir ça? l'impression que nous sommes en train d'aller de mal en pire tous les jours. Ça ne changera pour l'instant là. Ça ne changera pas pour l'instant. Voilà. Non, c'est beaucoup se plier dans ça, alors je comprends bien. Je sens que tu dis que les blogueuses, là, ce n'est même plus elles qui gèrent le blog. Ce sont les fans. Tu comprends? Parce que tu veux pas. Je prends par exemple une Dorcas. Dorcas, elle savait qu'elle avait sa générale. Sa générale l'écoute. Mais tu as vu ce que. Toi-même, tu as vu ce que la générale a fait. Au contraire, là où Dorcas dit que ne pas passer là-bas, qu'elle part.
Mais Cette fille de Muyondo, elle dit que elle est comment dire, elle est gardienne là-bas à la TKC. Mais une compression a fait le direct pour dire que laisser la reine galloise tranquille, même si c'était l'hypocrisie. Tu comprends un peu? Est-ce que ça empêchait que cette Muyondo sorte pour faire ce direct-là? Et quand c'est comme ça, on va les associer tous ensemble que non, c'est la TKC. Tu comprends ce que j'avais dit? C'est ça que je Ouais. veux te faire comprendre, que ce n'est pas les blogueuses, sont seulement là, elles sont seulement les pions, mais sinon ce sont les fans qui gèrent leur blog, c'est tout. Oui, ben, je suis d'accord que la reine d'Angola serait sous attaque, même si ce n'est pas dans les cloches, elle serait sous attaque. Mais même si je préfère plutôt que Dorcas, c'est une petite personne aujourd'hui. Hein. Donc, quand Dorcas se prononce sur un sujet sur la toile, ça prend de l'ampleur. Il faut le dire. Tu vois? Parce que on sait comment ramener les gens sur la toile, dans les clashs. Parce que ce qu'hier, elle essayait de faire, c'est parce qu'on ne montait pas. Elle devait rester dans ça. Elle le fait de façon très subtile. C'est très Et bon je pour elle de pense faire. que Lolo et Flo ont compris. Sinon ça veut dire qu'elle est gâtée depuis longtemps. On est d'accord. Elle a commencé à dire que c'est Lolo qui m'a donné ceci. C'est Lolo qui m'a donné. Flo pouvait se fâcher directement. Mais Flo a dit que Non, 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 non. Même la si reine Flo. Mafou. Même si. La reine Mafou. Dorcas, c'est passé sur le ventre de Dorcas. C'est à cause de son ventre qu'elle arrive, elle arrive là. Parce qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas vu l'argent de Tchamalo. C'est qu'elle n'est pas là. Elle a vu plus l'argent que son blog, que sa marchandise. Parce que Lolo et Flore, c'est moi, vous, les abeilles et les Lolomania. Mais c'était il y a une clientèle vraiment suffisante. Elle n'a plus besoin d'un autre client, d'une autre team pour faire son marché. Mais elle a préféré marcher là-dessus parce qu'elle suivait sa générale. Mais parce que c'est ça de nous aujourd'hui. Mais on ne veut plus que ça se répète. Qu'elle fasse les clashs. Qu'elle laisse la situation de la reine galloise. Qu'est-ce que tu dis de sa marchandise? Mais qu'elle ne parle plus de la reine galloise. De son général négativement en pensant à ça. Parce qu'on dit, on ne refuse pas qu'elle ne passe pas. Elle ne peut faire les dons. Mais tout en parlant de Agda, positionnement dans ses lives. C'est ce que j'ai dit. C'est pas mal dit aussi. En tout cas, qu'est-ce qui a fait que Dorcas commence à clasher sa générale? Dorcas dit qu'elle a commencé à clasher sa générale parce que sa générale s'est emprise à Asda. C'est pour ça, non? Oui, c'est pour Elle ça. est voilà. Et vous voulez quoi? C'est là que leur problème. C'est là d'où parle leur problème. Elle va donc pas commencer à parler ça pour dire que même si tu parles n'importe comment, les gens viennent acheter. Vous voulez quoi? Donc, je comprends Alors, bien. comment on Donc, je comprends bien. Je suis pas en Je train de pense. dire que c'est bien. Hein. Je suis en train de dire que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien. Mais je suis en train de faire comprendre que on ne peut même plus pas l'empêcher parce que c'est sa réplique à elle. C'est sa réplique à elle. Une mauvaise réplique. Et voilà. Une mauvaise réplique. On ne voit pas ça. On ne voit pas les choses. Une mauvaise réplique. À un moment donné de la vie, même quand, à un moment donné, à chaque fois, elle dit que je veux sortir des clashs, je sors des clashs, mais elle, c'est celui qui ramène le nom des gens dans les clashs. Vous pensez quoi? C'est pas. C'est toujours elle qui ramène le nom des gens dans les clashs. C'est pas bien. Je dis la vérité. Elle veut toujours, elle veut toujours taquiner les gens. Elle veut toujours taquiner les gens. C'est ça, Bonjour la c'est ça le Poutine. bon. Bonjour la Poutine. Moi, je cache mon nez. Bonjour, bonjour. Bonjour, tata C'est comment? Lolo. Bonjour. Tiens, Mathilde, là, les Ne cache pas, s'il te je suis sorti hier, je suis rentré. Les Camerounais avaient la bagage. J'ai fui la boîte et je suis rentré. Je suis Il y avait la revenu là. Ils ont bagarré comme d'habitude. La bagarre. On a failli pointer quelqu'un dans la boîte. J'ai fui moi et je suis rentré. J'étais parti m'amuser. J'ai pas pu m'amuser hier. Il n'a pas vu le gars camerounais qui est moi en Allemagne. Oui, je t'ai dit, facilement comme ça là. Faut faire attention. C'est pour ça que je suis rentré, non. Si j'étais moi rentré, je n'ai pas fait 2 ans. Je suis rentré une fois. Je n'ai pas dit que je devais changer de boîte. Je préfère rentrer moi une fois. Que de rester là-bas. Je dois en été comme ça, avec le Voilà. soleil, Avec le soleil. C'est ça, avec le la soleil. chaleur. La chaleur, beaucoup de choses sont passées. Non, c'est Mais pas dans l'Ouganda, Audrey, c'était pas dans l'Ouganda. C'était en boîte de nuit, maman. par Les boîtes de contre, nuit. les cafés, ça me tourne quand même. Oui, moi, je sais que c'est souvent les Nigérians qui font ça. Camerounais, maman. J'ai vraiment entendu. Hein. Mais comme les bagailles, comme les bagailles. Ah bon? Non, là, Oui, ça non, n'est c'est tout plus comme ça. pas. Écoute, moi, ici à Paris, là, avant, quand je suis à Paris, je ne voyais pas le bagarre. Hein. C'est la fuite des beaux ailleurs, là. Moi, je ne veux pas dire que. Parce que tu sais, quand tu bosses, tu as beaucoup de trucs que tu racontes.
ça change l'être humain. Parfois, tu vois quelqu'un qui est au Cameroun, qui n'avait jamais fumé le Mbanga. Dès qu'il arrive dans les pays maghreb, là, il y a des situations qu'il il reste comme ça. Il voit que tout le monde est en train de fumer le Mbanga. Peut-être qu'il est dans un ghetto où tout le monde fume le Mbanga. Le tenta prendre pour moi ses soucis. Tu vois, ça transforme l'aide. Même à Paris, là, quand tu parles dans les portes de maintenant, ce n'est plus ce qui était avant. Il y a une violence qui n'a pas de nom. Voilà. Une violence. Ils veulent prouver que oui, je suis déjà en dégoût, je suis intouchable. Et c'est que, il y a beaucoup, j'ai un petit là, il a oua pour beau ça, hein. Il a oua, il a dit ici là, mais il a joué avec sa vie. Il a été rapatrié. Ah, là, là, là. J'ai dit, bon. Comment tu peux voir, bébé, il y en a plein qu'on rapatrie, plein, plein, ils sont nombreux, il n'est pas le seul. Parce que là-bas, dans le, surtout le Boza du Maghreb, là, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Il y a trop de violence dans le Boza, là. Trop de violence. Les gars, là, ils se transforment. Hein? Même une fille que tu vois au Cameroun, elle était calme, posée, mais dès qu'elle allait dans le Boza, là, elle l'a anticipé, tu la reconnais pas. Hein. Elle traumatise, non? Ouais. Que nous, les Africains, on vérifie tout là, c'est la peine d'aller rencontrer les psychologues ou discuter. Ils sont traumatisés. Tu te rends compte peut-être que Boza, tu arrives, quelqu'un te binda, quelqu'un que tu ne veux pas. Il te binda par une pause. Ça traumatise une femme. En fait, le problème qui se pose, c'est que quand nous avons la mentalité des Africains, qu'on arrive, c'est là, on se dit toujours qu'on obéit. On sait pas ce qu'on va s'intégrer. On oublie de s'intégrer. Si tu t'intègres, tu peux avancer ici en Europe. Tu ne peux pas. Là, tu vois les Africains partout. Quand il y a un petit problème, ils veulent se bagarrer. Parce qu'ils ont encore la mentalité là en eux. Tu vois. Comment ils vont pas faire, on va les rapatrier. Si tu as un petit tour, la police te prend, te rapatrie direct. Non, c'est un peu ça. Non, tu sais, c'est que tout moi, je parle pas de. Tu sais qu'il y a plein de Bouzaïens, des hommes, là, ils sont pleins d'ailleurs. Hein. Ils ont le sang à l'œil, hein. Ces gens-là. Ils sont très violents. Ceux qui ont amené la violence, c'est les siens. Moi, quand je suis arrivé à Paris, Paris était une ville, tu vois, Paris était une ville. Les Parisiens, c'était les gens qui sautaient, ils s'amusaient, tu arrivais en bas de l'île, ils en discutaient. Tu rentres chez toi, tu n'as même pas que tu es sorti, tu n'avais même pas 10 euros. Mais tu rentres à la maison avec 200 euros. Que les anciens qui sont là, ils te dépannent. Mais je veux que ce n'est plus ça. C'est quand quelqu'un pose ça en route, ils sont pleins. Ils viennent, ils croient que comme il est déjà arrivé, il ne veut plus se battre. Il y a une violence qui l'enduit. À Paris, dans les restaurants avant, c'est que les Camerounais, je dois venir trouver les Camerounais en train de discuter. Ils vont s'insulter, mais jamais tu vas avoir un coup de poing passé. Chez les Vissés, les Ivoiriens trouvaient la bagarre. Ouais. Le Camerounais, c'était le bavardage. Le Camerounais bavardait beaucoup. Bagarre, là, c'était rare. Mais aujourd'hui, tu arrives à me faire même peur quand tu parles à quelqu'un. Oui. Je ne fréquente plus l'Nganda, je fréquente l'Nganda rarement, c'est trop rare. Je ne pas d'un Nganda, je fais Marcy 30 minutes, il ne reste pas pour longtemps, parce qu'à tout moment, ça peut déclencher. C'est bon, ouais. Parce qu'il y a trop de bruit, crie. Tout le monde va avoir raison. Donc, du coup, ça crée les problèmes. Si tu fais pas attention, un couteau peut sortir de partout. Il faut éviter. Celui qui est mort ici, là, il n'est pas mort parce qu'il a cherché la bagarre. Il est mort comme ça parce qu'il voulait. Pour rien du tout, comme tu l'as mordant. Pour rien. Il te dit. Mais toi, tu es un beau ailleurs à part et tu es calme. Non, je n'ai pas besoin de ça, maman. Je connais ce que j'ai souffert. Je connais comment j'ai souffert pour arriver ici. Donc. Fais pas. Mais oui. Blague pas. Quand tu connais ce que tu as dit, que j'ai un petit là. Le petit là était même déjà comme le Billy qui a été rapporté. Billy au calme. Et quel est. Regarde comment il a oua pour arriver ici en Europe. Il se retrouve comme ça au Cameroun ou des histoires qui n'ont pas de sens. Voilà. Il est revenu, non?
Il est revenu, non? Il était revenu. Non, non, Ah. non, qu'il y en a beaucoup qu'on rapatrie, beaucoup, il est plein. On le rapatrie tous les jours. Tous les jours. Même le mari de la fille, on l'a rapatrié. Même qui? On rapatrie les gars là tous les jours, tous les jours. Tu ne peux pas faire que tu fais. Moi, je comprends. Il y a ceux qui ont subi une violence, il n'y a pas de nom là-bas. C'est dangereux. Mais c'est parce que quand ils arrivent, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils se disent qu'ils sont Oui. au Cameroun, ils ne veulent pas s'intégrer, franchement. Même si tu ne veux pas t'intégrer, sois calme. Sois Regardez, sois calme. Oui, sois calme. Oh, le bruit. Tu vois le Camerounais, tu vois, il y a un Camerounais hier dans le tram. Il a cassé la bouteille, il dit, mais ce système, où il est? là Je sais pas si. là. Il a cassé la bouteille, il dit, mais tout ça parce qu'un Allemand l'a giflé. C'est vrai que l'Allemand l'a giflé, mais il avait raison. Il vient, il a la place à s'asseoir, il porte son fils, il dépose sur la chaise. L'enfant monte sur la chaise. Le monsieur dit que non, ne permet pas à l'enfant de monter sur les chaises. Il y avait vraiment la saleté sur les chaussures, le sable. Le monsieur a descendu l'enfant. Il s'est levé, il a porté le monsieur, l'a jeté dehors. Il a directement cassé la bouteille. Il dit, mais regarde, vous êtes sur la. Pourtant, le monsieur était calme. Le monsieur était très calme. Il a commencé à faire le bruit dans le tram. Le tram, on est obligé d'arrêter le tram à cause de lui. Tu t'imagines? Il a pris la bouteille là-haut. Il est entré, il a pris l'enfant. Il a pris Non, ma chambre. tu sais, il y a les gentils là qui boivent et puis jettent des bouteilles n'importe comment. Là. Il y avait une bouteille, il a cassé des éléments. Vraiment, son geste, on l'a pris. On a laissé le monsieur là-bas. Le monsieur, on l'a pas arrêté. Parce que malgré que le monsieur l'avait giflé, mais le monsieur, on l'a laissé. On a plus de plus qui avait l'âme blanche. Ah, Tu comprends? Tu vois? quand je Il est m'en trop vais pas facile. chercher, on dirait c'était quoi le sujet. Moi aussi, à tous, c'est la Non, potate. en fait, le sujet, c'était que. Bon, j'ai parlé un peu de Dorcas, de ta petite fille. On parlait du fait qu'à chaque fois qu'elle veut peut-être vendre sa marchandise ou bien parler, il y a un sujet futur qu'elle ramène à dans ses problèmes. Et d'ailleurs, hier, elle a prononcé encore, bon, elle a voulu un peu ramener aussi même ton nom. On a dit, mais pourquoi à chaque fois tu veux bien écouler ta marchandise, il faut que tu ramènes les polémiques. C'est pas bon. Fais ton commerce sans toutefois ramener le nom des gens, ou bien ramener même Asda Elle dans a ses ramené problèmes. mon nom de quoi? Bon, pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils vont se dire, parce que moi, j'ai pas écouté tout, c'est pas ce qui est monté un peu, détourner le sujet. J'ai pas bien écouté la partie, là. D'après ce que la reine m'a promis, disait tout à l'heure. Non, elle, bon, c'est pas qu'elle a dit quelque chose. Elle voulait la ramener exactement parce qu'elle est montée. Et je vois un peu plus trop ce qu'elle a dit, mais c'était pas grave, attends, il faut laisser. C'était pas grave. Non, je vais dire quelque chose, hein, Cash Money. C'est nos followers qui nous ont induits en erreur. Parce qu'ils sont à la recherche d'amour et des alliés. Tu comprends? Il y a des guerres que tu peux mener toi seul. Tu n'as pas besoin d'avoir l'appui de X ou de Y. Parfois, il y a des followers qui ramènent ça. Il suffit qu'on parle bien de toi quelque part. Ils oublient que cette personne et moi, on était. Cette personne a dit des choses pas bien sur moi, quoi. Parce que ça n'a pas se répéter. Ça n'a pas tous les jours. Parfois, c'est ça que tu vois, ils voient moins de problèmes. Les blogueurs, ils voient moins de problèmes parce qu'ils ne s'allient plus. Chaque blogueur, il voit faire sa guerre seul où il est dans son coin. Mais chez nous, les Camerounais, comme ils savent déjà, certains savent déjà prendre les followers, ils disent qu'aujourd'hui, je vais me réveiller, je vais dire On a tel du besoin. bien de cette blogueuse. Tu vois, et le follower te pousse à aller vers cette personne-là que toi-même, dans ton cœur, tu ne veux pas. Ce sont les followers. Parce que quand il m'a agité, moi je ne veux plus ce genre de choses-là. Moi je ne veux plus me retrouver en train de faire les guerres avec les gens inutilement. Inutilement, Parce c'est vrai, c'est vrai. que j'ai été un génocide dans les réseaux sociaux, tout follow, parce qu'eux aussi veulent se faire plaisir. Et donc parfois même ça leur plaît les guerres inutiles là. Parce que l'affaire, franchement, est-ce que c'est sur Facebook qu'on vend les sacs de macabre, les sacs de magnon? Quand tu vas au marché central, là, tu vois, même au marché vol, moi, c'est au Cameroun, c'est partout au marché. Hein, parce que moi, je cuisinais. Quand tu pars, tu vas trouver les camions de macabo, les camions de plantain. Je ne pense pas qu'elle a fait ses champs pour compter sur Facebook. Je ne pense pas. Elle va vendre quand même des sacs de plantain chaque jour. Non, Donc, mais elle vend, hein. Elle vend, hein. Ouais, elle vend, ça elle va vend. encore. Elle vend. Elle vend pour donner à ça. Non, mais parce qu'il y a les donateurs qui le font, qui envoient de l'argent pour qu'elle livre là-bas. Elle livre à Asda. Il y a d'ailleurs ce qui est les noms de ceux qui ont envoyé, qui ont fait les dons.
Moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que Asda a aussi besoin de finances. Hein. Asda n'a pas seulement besoin de nourriture. La sœur Angaloa, en ce moment, elle a un projet d'acheter un terrain pour construire de Asda. Ce n'est pas seulement la nourriture, ils ont besoin aussi. Parce que quand elle aura peut-être un centre social Asda, je pense qu'elle sera plus bien structurée. Parce que ce n'est pas seulement la nourriture. La nourriture, c'est important, oui, parce qu'elle est. Mais elle a besoin aussi qu'on l'aide financièrement. Parce que le travail qu'elle fait là, ce n'est pas n'importe qui. Et puis, normalement, comme on a dit à la reine galloise, ce n'est pas mon petite fille là qui a amené les filles là à insulter la reine galloise. Merci, Tata Lolo. Merci. C'est une histoire qui date depuis très longtemps. Cette jalousie-là, que la reine galloise a réussi, où certaines personnes n'arrivent pas, tu vois. Mais ils confondent entre faire un don et s'occuper au quotidien des personnes différentes. Moi, je dis que... Mais le problème, c'est qu'elle aussi, elle en profite pour faire son petit business. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois, elle ramène le nom de Asda. Ça risque de jouer aussi sur la reine galloise. À force qu'on ramène le nom de la reine galloise. Parce que la reine galloise, ça fait très longtemps, elle était très calme ici. Moi, je n'entendais pas. Voilà, c'est ça, c'est là le problème. Et je n'entendais pas les gens à sa chaîne. La reine galloise n'appartient à aucun camp. La reine galloise n'appartient à aucun camp. Mais elle reste fidèle à la personne qui leur ouvre les portes du net afin qu'elle puisse aussi se faire connaître. Parce que Mayam Sef pouvait l'amener auprès d'elle, puisque les gens ne s'accrochent pas. Mais elle aussi, elle a porté sa part parce qu'elle a su captiver du monde. C'est comme à l'école. Quand tu vas en classe, le professeur donne les cours à tous les élèves de la même façon. Mais c'est quand le professeur vient faire les cours, il fait les cours à un certain nombre d'élèves et d'autres, il les isole. Non, il donne les cours, il vous apprend. Peut-être que c'est un cours d'histoire. Il fait le cours d'histoire, tous les élèves sont là. Mais à la fin, tu vas voir qu'il y a ceux qui ont 5, il y a ceux qui ont 6, il y a ceux qui ont 10, il y a ceux qui ont 19. Donc, c'était un peu ça. Donc, la reine galloise est venue chez Mayam Sœur. Elle a donné, elle a valorisé chacune d'elles. Et c'est maintenant à vous de faire le reste. Elle a maintenant su que, comme j'ai Mayam Sœur, ma sœur m'a déjà fait connaître. Maintenant, je vais faire le reste. Parce que dans la type de elle a fait le reste. Accompagné des appels, hein, à un moment donné, elle a dit qu'elle a besoin maintenant de tout le monde. Et tout le monde là, c'est nous, tout le monde. Donc maintenant, à chaque fois, ramener son nom dans les clashs. Non, si quelqu'un tourne l'institut de la reine galloise, nous allons tous sortir. Ou quelqu'un cherche à salir son association. Tous les blogueurs, sans exception, devraient sortir apporter son soutien pour réprimander la personne qui veut faire ce salaire. Mais ça ne doit pas être comme si c'était un truc qu'on va faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si la personne ne recule pas, nous l'isolons parce que son message ne passera plus. C'est quand quelqu'un parle une fois, deux fois, trois fois et qu'il voit qu'il n'y a pas le retour, au final, la personne se décourage. C'est comme ça. Mais si la personne parle et que demain, Lolo vient parler encore de ça et d'après demain, il y a peut-être parle de ça, ça veut que c'est aggravé, ça veut que c'est empiré. Ça affecte la reine galloise parce qu'au-delà de tout ce qu'on veut dire, elle reste un être humain. Elle a aussi, parfois, elle a mal quand elle entend les chiffres. Quand elle voit tous les efforts qu'elle fait depuis des années, tout le combat, tous les risques qu'elle prend, elle le fait par amour et qu'elle trouve qu'il y a certaines personnes qui doutent de cet amour qui la motive à faire ça pour les enfants. À un moment donné, elle peut craquer. Donc, parfois, il faut passer à autre chose. Je pense qu'on a déjà assez dit à cette grosse merde-là. Elle veut continuer, continuer. Tu sais que c'est une prostituée. C'est une bordel. C'est pas bien qu'elle fume. Quand tu vois une femme fumer en direct devant les gens, c'est une pute. Parce que même moi qui fume là. Et quand tu as reçu une invitation de tes parents. Maro, ton micro, Maro, s'il te plaît. C'est chez moi. Ouais, c'est chez toi. Non. Je disais qu'à un moment donné, il ne faut pas rester longtemps sur quelque chose. La reine galloise, on a déjà. Tout le monde est sorti, même moi-même qui n'avais même pas pu sortir. Je suis sorti, j'ai donné mon avis là-dessus. La Yamsa est sortie, elle a donné son avis. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est que quand la reine galloise est en live, qu'on partage ses lives pour montrer aux gens que nous sommes avec elle. Et maintenant, il
faut maintenant qu'on a déjà tout dit. On a déjà démantelé tout le plan machiavélique qui était derrière pour détruire Asta, pour saluer la personne de la reine d'Aloise. C'était un groupe de tribalistes qui n'arrivaient pas à comprendre que la reine d'Aloise, on dit qu'elle est bamblée, qu'elle est une Camerounaise qui est dynamique, qui veut à tout prix, qui est là pour aider les enfants différents, pour faire passer le message. Ça va durer longtemps, mais un jour, les autorités vont prendre acte de son travail et puis peut-être ils vont me fuir même un terrain dans une ville comme Douala ou Bafoussa. Parce qu'un préfet est capable de te donner une parcelle de terrain vu le travail que tu fais. Donc, puis à venir, elle est restée là pour dire qu'on va continuer à suivre la bêtise. C'est comme si nous, on encourageait cette bêtise-là. Parce que, tu sais, ces filles-là, quand elles trouvent qu'elles n'ont pas, elles cherchent toujours un sujet qui peut leur amener la visibilité. Elles cherchent un sujet qui peut leur amener les abonnés. Et quand elles trouvent que ce sujet-ci, les gens s'intéressent à ça, elles s'accrochent. Ou juste parce que, elle va avoir les abonnés, qu'elle est en ligne, il y a 100, il y a 6. Si elle avait 10 personnes, elle avait surtout 200 personnes, elle va s'accrocher sur ça pour se faire connaître. Et maintenant, si nous, en face, on compense au jeu, on ne laisse pas aller seule. Elle va parler seule. Et ce que nous, on apporte à la reine, c'est le plus important. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Qu'elle a le même si elle veut faire son commerce, elle peut faire son commerce sur la toile, mais pas faire son commerce sur le nom de Y. Voilà. Il y a l'argent que tu peux, Dieu peut te donner tout l'argent du monde. Hein. Mais du jour, il faut savoir chercher l'argent. Moi, je pense qu'elle a apporté son soutien à la reine d'Aloise, puisqu'on dit que le premier jour, le poste qu'elle a fait n'était pas en faveur de la reine d'Aloise. Si elle a pris conscience, après que non, c'est ma sœur, je dois la soutenir. Elle a soutenu à son niveau, je n'étais pas ça. Voilà. Elle peut donner ce même message que j'ai la marchandise. Pour ceux qui veulent faire les dons à la reine d'Aloise, vous pouvez passer par moi. Une fois, passant vite fait. Mais pas dit que répondre aux détracteurs, machin, tout ça. T'as laissé à rien. Tu n'as pas vu Mbunkena. Mbunkena s'est accroché sur moi ici pendant des années parce que les gens m'ont encouragé. Les gens croyaient qu'en encourageant, ça devait me faire. Franchement, ça ne m'a jamais rien fait. Parce que moi, je dis, ça, c'est une folle. Si je me mets à faire comme elle, je vais me fatiguer parce que je vais l'insulter tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. En attendant, j'ai d'autres choses à faire. Donc, elle a pris mon nom pour faire son blog. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que vous avez fabriqué Lucifer. Vous avez fabriqué le démon en personne. Vous avez fabriqué. Donc, c'est souvent nos followers qui font ça. Il ne faut plus faire les aides-moi à détester. Là, moi, ce n'est pas bon. Moi, je peux faire mon combat sans avoir la, sans m'allier à Iswikret. Mayam, si elle peut faire un combat sans s'allier à Iswikret, parce qu'elle même, on connaît que c'est la légende, elle connaît les stratégies du clash. Donc, à force d'aller nous ramener les gens, moi, je suis plus dedans. Je n'ai pas le poids avec quelqu'un, mais moi, je préfère que si mon histoire arrive, qu'on laisse Pasteur intervenir, parce qu'on sait que Pasteur, c'est le plus grand de nous. Mais ta masse intervient, mes petites filles, les gens là, Monica, c'est tout. Moi, je ne veux plus, moi, que quelqu'un vienne là pour dire, oh, je viens défendre Tata Lolo. L'autre là, je refuse. Qu'on me laisse avec ce que je suis avec lui. Je ne veux plus. Voilà, pour la reine d'Aloise, c'est un cas exceptionnel parce qu'elle est faite dans l'humanité. Donc, si quelqu'un sort comme ça, on répond. Maintenant, on ne doit pas rester sur la personne parce qu'on risque d'encourager le diable, de fabriquer le démon. Parce qu'au fur et à mesure de parler ça, vous fabriquez cette personne-là. Et elle va prendre un plaisir souvent. Parfois, si elle n'a même pas envie d'insulter ou d'utiliser les gros mots, elle va dire que je vais utiliser ça parce que quand je dis ça, ils sont énervés, ça leur pousse à sortir sur moi. On fait vu et ignoré. Et on reste focus sur la reine d'Aloise. On partage son PayPal, on partage ses émissions, on l'encourage comme ça. Là, même l'adversaire va voir que, mais malgré tout ce que je fais, je ne vois que l'évolution de son côté, elle ne me répond plus. Il y a plusieurs manières de répondre à ce genre de personnes. Ce n'est pas seulement en clash. Non, c'était mon avis là-dessus. Et moi, je dis à la reine d'Aloise, je n'ai plus répondre aux femmes là. Je n'ai même plus se justifier. C'est l'association des Bamlékés, oui, elle accepte point bas. Il y a quoi? C'est l'association des enfants Bamlékés, oui, j'accepte. Va faire ta part, point. Elle est qui? Mais ça, je dirais que c'est vous qui fabriquez les gens là. Si la reine d'Aloise fait un direct, il y a 150 000 personnes qui ont regardé. Une personne a
fait tirer, il y a 10 000 personnes qui ont regardé. Vous croyez que son message est passant. Ça n'atteint même pas, ça ne foule même pas un follower qui a regardé ce qu'il a regardé ça fait. Donc il faut laisser ça. C'est vous qui fabriquez ces gens-là. Je te dis, elles vont atteindre, elles vont atteindre son but. Tous les jours qu'elles me suivent, moi, une sale chose comme ça, comme la vache qui pleure là. La vache qui pleure contre la peine de Douba. Elle est en train de. Elle ose caricaturer quelqu'un. Elle met ses regards sur le miroir. Est-ce qu'elle-même dans sa vie peut caricaturer un être humain? Est-ce qu'elle croit qu'elle peut caricaturer un être humain? Quand elle met ses regards dans la vie, est-ce qu'elle peut caricaturer un être humain? Toi-même, dans la mort, tu as tous les défauts. C'est déjà les problèmes qu'elle ronfle même. Mais elle peut avoir un tremblement de terre dans un niveau. C'est pas son ronflement. Elle a tous les défauts du monde. Mais c'est elle qui veut montrer qu'elle veut aussi dire quelque chose. Tu vois d'abord sa bouche, maman. C'est comme l'entrée du cul du porc. Elle veut caricaturer les dames. Quand tu la regardes d'abord, elle ne donne pas envie, elle est sale. Elle n'est pas mignonne, elle n'est pas classe, elle n'a rien. Mais elle veut me caricaturer. L'enfant de madame, mais une fille qui est née belle. Maman, quand tu vois ma mère, tu me vois. J'ai pris le visage de ma maman. Donc, maman vieille, je serai toujours comme ça. C'est les affaires de l'Europe qui nous vieillissent parce qu'en Europe, on reste dans la maison. Quand tu es la fille, attends, il faut arrêter. Une fille qui a fait la bordellerie, moi, on veut te dire que non, elle est mariée. Non, elle a fait la pute, elle a fait le bosa. Mais elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas faire les émissions pour s'assister pour le bosa. Parce que quand je m'en étais pas venu parler pour le bosa, là, vraiment, une personne qui est posée peut vraiment aider beaucoup de bosailleurs. Ça devait même être le combat de beaucoup de personnes. Je dis la vérité parce que quand tu sors du pays, tu vas voir qu'une fille qui est partie du pays pour le bosa, elle était très calme. Mais elle arrive en route, elle tombe sur 5 Marocains, ou sur 5 Tunisiens, ou sur 5 je ne sais pas trop. Parce que c'est violé par 5 hommes différents. Imagine ce que ça peut jouer dans elle. C'est quelqu'un qui dort, à quoi elle pense. Elle peut voir des couches, elle peut avoir des cauchemars. Ça peut la traumatiser. Donc, c'est des personnes que nous devons aider et que quelqu'un qui a vécu ça peut vraiment passer par les réseaux sociaux pour sensibiliser, hein, pour fortifier, pour apporter de l'aide aux personnes qui sont passées par. Il y a beaucoup de filles qui ont suivi dans le bon ça. Quand on dit qu'il y a, elle a 3 enfants, elle a pris les enfants là-haut. Elle faisait les gens. Le père est mort, il y a ce que elle bosse ensemble dans l'eau, le père meurt, l'enfant meurt. Beaucoup de choses que les gens ont subissent là-bas dedans. Mais quand tu vois une bosse, comme Isaac, elle est parlé de ça, elle parlait de moi tous les jours, elle dit qu'elle va te faire. Tu vas faire quoi à Lolo, hein? Quand tu vois même une personne, on dit que moi, si tu peux couper un peu ton ça fait vraiment trop bien. Quand tu vois une personne comme ça qui. Non, elle la rue m'a bloqué ton micro, c'est toi, la rose est maman, la rue m'a faut, s'il te plaît, maman. Quand tu vois une personne comme Isaac, elle est arrivée ici en Europe, elle dit qu'elle va me faire, Tu vas me faire quoi, ma? La seule chose que tu peux faire, c'est de sortir de ton toit, elle va m'arrêter, tu me tapes. C'est là où tu peux me faire quelque chose. Mais tu crois que c'est un insultant, ça va faire quoi? Regarde-toi, une vie de débauche, ta mère est malade. Tu veux insulter alors que ta mère, tu vois pas que c'est que le mal que tu es venu faire dans les réseaux sociaux qui a fait en sorte que la chirurgie de ta mère soit exposée. Elle est malade. Et moi, quand tu vois cette femme-là, tu sens que être malade, la maladie-là, moi, je préfère cette maladie même que le cancer. Mais cette maladie-là a besoin d'une hygiène de vie. Quand tu atteins cette maladie au stade où ta matière est là, elle a besoin d'une hygiène de vie, d'un endroit où elle vit. Ton environnement doit être propre. Elle doit bien manger. Elle doit prendre ses médicaments. Elle peut prendre ses médicaments. Elle doit manger. Elle doit être dans un environnement propre. Où est contrôle son hygiène. C'est ça que tu dois faire. Tu peux louer une maison à ta mère. Mais quand on voit celle qui veut m'insulter, avec ce que ta mère est venue te voir sur les réseaux sociaux, on voit que ta mère vient dans un toit. Si c'était qu'on ne pas venir exposer, là, et tu oses exposer une maison en dur, qui n'a pas seulement la peinture, mais tu ne montes pas le toit où ta mère vient dormir sur le carton, le sol, sur la nappe, alors que la maladie qu'elle porte, elle a besoin d'être bien nourrie, elle a besoin d'être bien dormie. Elle doit d'un endroit où elle dort bien, sur un bon lit, elle prend ses médicaments, elle va au marché. Les gens vivent avec cette maladie toute une vie. Le cancer te tue en 10 jours. Donc, c'est une maladie qui ne peut pas me moquer de quelqu'un. Les gens font les enfants avec. Mais il faut que la personne soit dans un bon environnement. Mais tu ne t'occupes pas de ça. Tu viens t'asseoir pour dire Pipito. Tu viens dire Pipito. Il faut qu'il vive dans un appartement de 975 en province, dans un quartier chicarès. Toi, tu vas venir parler de moi. Non, tu ne peux pas parler de moi. Et quand je regarde même ceux qui parlent de moi, je regarde, quand je vois Natacha de Monaco, je dis, mais attends, Natacha peut parler fort. Mais Natacha a même réussi. Elle a fait beaucoup de belles choses. Mais toi qui dis que tu es une jeune fille,
tu as avancé dans les 40 ans. Tu n'as rien fait de bon. Regarde ma petite Natacha. Elle même parfois me conseille que ma grande sœur, elle souffre du bon. Je vais écouter même Natacha. Mais toi, tu veux écouter quoi sur toi? Elle n'a voisine pas 40 ans, elle a 40 ans. Voilà. Moi, tu as ton mari que tu as eu. Ma cause de parler de Lolo tous les jours, Lolo pipi, les canteurs, je vais te passer pour animer la galerie. Il t'a jeté dehors. Moi, il ne m'a pas jeté dehors. L'homme est parti, il m'a laissé la maison. Comme vous dites qu'il est parti. Mais il m'a laissé avec tout. La, vous savez qu'il devait venir prendre la télé, non? Qu'il devait venir prendre le congélateur. Il devait venir. Tout est là. Hein. Rien n'a bougé. Oh, il va plus s'occuper de son enfant. C'est lui qui a des habits où on a pété dessus. C'est lui qui inscrit son enfant à l'école. Il s'occupe bien de sa fille. Il a tout la société. Il a changé quoi dans ma vie. Maman, donc quand tu vois des racailles, vraiment là, moi je te dis, donnez-vous tout, parce que tu as besoin. Là où elle vit là-bas en Italie, c'est le fief des habits. Hein. Moi, je cherche des habits bien classe, chic, propre. Elle a traversé tout ça pour venir prendre des habits. On a pété dessus à Paris. Et c'est ça qu'on a venu. Elle met la télé, la caméra, elle parle aux gens. Elle parle aux gens. Elle parle aux gens. Quand tu la vois, tu as que c'est une fille qui était traumatisée. Tu sais. Non, quand je m'en dis, la fille était violée. On l'a violée. Elle me met là la maladie là. Elle me met là, elle est séropositive. C'est pas le morceau. Mais ta mère a dit ça? Ta mère a dit ça? Elle ment pas, c'est vrai. C'est vrai. Elle, tu sais qu'elle a eu ça où? Elle a ramassé ça, peut-être la mort disait. Ça l'a traumatisée. Elle est traumatisée pour qu'elle ait cette histoire. Elle fait comme une folle. Hein. Elle fait comme une folle. Tu veux parler à Fleur de Lille? Tu veux parler à Fleur de Lille? Une fille qui a bâti sa vie. Son enfant est en Lille. Il vit avec sa compagne. Et il a ses deux mounas. Elle est déjà grande mère. Quand elle se réveille le matin, maman en a à côté d'elle. Elle a dit, elle a conçu la même sa mère pour la mairie. Tu vas venir chez toi pour tu vas quoi. Elle est capable de monter, de descendre. Elle est capable même d'aller faire même une semaine dehors, deux semaines dehors. S'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de sa mère, elle paye. Quoi, toi, tu parles de quoi? Les Européens, mais les parents ont besoin de rester cela. Pourquoi ils sont là à ce pour s'occuper de leurs parents? Parce que l'Europe, c'est le système européen. Si maman a été au Cameroun, elle devait rester avec ses petits.